En revanche... Moi, je t'intéresse, hein ? Le Hokage a d'autres chats à fouetter. Je m'occupe de ses raclures, Mami Tsunade. Allez donc boire une tasse de thé. Maître Fukasaku, vous n'avez pas reconnu de silhouette familière derrière Naruto ? Si, Gamabunta. Gamakichi ! Emmène le Hokage 5e du nom en lieu sûr. Peu que tu prennes Katsuyu avec toi. Elle pourra sans doute être utile. Il absorbe toutes les attaques de ce type, ça n'aurait pas le moindre effet. Alors j'utiliserai l'art de l'ermite. Chacun d'eux voit tout ce que voient les autres. Bah la vie, je suis aussi ancien. Et plus vite que ça. Allez, couchez au panier. Vas-tu te tenir tranquille à la fin, vilain cabot? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. On va en finir une bonne fois pour toutes. Putain de clonage! Tu sais sans doute qu'il désirait ardemment la paix, lui aussi. Ne fais pas de m'embobiner! Il y a tant de dégâts, tant de victimes, tant de souffrances. Où est la paix là-dedans, hein? Ne te fiche pas de moi! Putain de Shuriken, tourne bien là! Ça y est, c'est fait! Quoi? Il l'a lancé! Invocation! Que dois-je faire? Son attaque de tout à l'heure l'aurait-elle vidé de son chakra d'ermite? Même en mode ermite, je ne peux lancer que deux shurikens tourbillonnants. C'est le moment ou jamais. Naruto a trouvé une solution et il s'apprête à la mettre en œuvre. Par ici, Naruto. Passe-le-moi, je m'en charge. Reculez tous! Vous risqueriez d'être atteint par un shuriken tourbillonnant! Tout est entre tes mains, Naruto! Utilisons la technique d'invocation inversée! C'est l'avatar de derrière que je dois éliminer en premier. Ce que tu viens d'absorber, c'est une technique de métamorphose. Orbe furie! Tu t'échapperas pas! Quoi? Répulsion céleste! Répulsion céleste. Ça va?
ma douce, il faut exécuter le genjutsu avant qu'il ne soit trop tard. Je sais. Je vais concentrer mes efforts pendant les 5 secondes entre ces deux attaques. Vous lancerez votre technique de genjutsu dès que vos chakras seront pleins. Tu es un adversaire de taille, j'en conviens. Attraction céleste. Naruto. Que se passe-t-il? Mes forces m'abandonnent. Et voilà, Kyuubi a été capturé. Cela tombe très bien que je ne puisse plus bouger. Voilà qui est intéressant. Le chakra ermite est à manier avec précaution. Non, maître! Fukasaku! Tu n'es qu'une ordure, je... Tu connais déjà mon objectif, instaurer la paix et rendre la justice. Après ce que tu as fait, comment peux-tu prétendre vouloir la paix? Toi, dis-moi, quel est ton but? Je veux te réduire en poussière, et quand ce sera fait, c'est moi qui apporterai la paix au monde des ninjas! Ma famille, mes compagnons, mon village. C'est vous, ninjas de Konoha, qui leur avez fait subir ce terrible sort. Le théâtre de cette guerre entre grandes nations, ce fut notre pays et ses petits villages. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Tu te bats pour ta vision de la justice. Et moi, je me bats pour la mienne. C'est alors que se dessine le cercle de la haine. Ce que nous vivons en ce moment en est une manifestation. Le monde des ninjas vit sous l'empire de la haine. Comment pourras-tu faire régner la paix face à toute cette haine? Je n'en ai aucune idée. Comment combattons la haine? Je suis sur le point de toucher au but. Mais pour cela, j'ai besoin de la puissance de Kyuubi. Une arme capable d'anéantir un pays en un instant. Une arme fabriquée avec des démons? La paix acquise de cette façon ne vaudra rien! Ce serait un mensonge, une perversion! Tu surestimes l'intelligence des hommes, il n'y a pas d'autre moyen. Quand la souffrance se sera atténuée, que la force de dissuasion de l'arme aura diminué. Et alors, pour un temps, la paix régnera dans le monde troublé des hommes. Mon rêve de paix n'a jamais été aussi proche.